ouverteurs. Salut à tous, c'est Saran. Et Sandar. Et oui, et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des boosters du samedi. Donc, comme d'habitude, comme en ce moment, vous le savez, c'est du Ombre Ardente. Parce que nous, on est à fond dedans. Cette fois-ci, pas de coffret, pas de duo pack comme la dernière fois. Oh, je t'ai tapé. Pardon, je l'ai tapé. Oh. Et non, en fait, j'ai pris des boosters à l'unité et je me suis dit, on va faire les choses bien cette fois-ci. C'est-à-dire que j'ai pris les deux illustrations qui étaient soi-disant les plus chanceuses. Pas de Ho-Ho du coup, parce que Ho-Ho, bah, il est jamais chanceux. Necrozma, c'est pareil, je le trouve pas chanceux. Donc j'ai pris tout simplement 4 boosters Tokopisco et 4 boosters Marchado. Donc comme d'habitude, tu vas en choisir 2, je vais en choisir 2, je vais en choisir 2, je vais en choisir 2. On va prendre au hasard, c'est un duel, comme à chaque fois, vous le savez. Les ouvertures à 2, c'est toujours un duel. De toute façon, les ouvertures tout seul, ça fait genre 500 000 ans qu'on en a pas fait. Donc ce sont des duels, voilà. Et ce sont les derniers boosters Ombre Ardente qui nous restent. Donc est-ce que la semaine prochaine on fera du Ombre Ardente? On partira dans du un peu rétro, du XY ancien, je ne sais pas. On verra. Ça fait 2 ouvertures que je gagne. Pronostic dans les commentaires. C'est à mon tour. Oh, ça va. Moi, je pense que je vais gagner parce que à chaque fois je gagne et je crois que cette série est vraiment chanceuse pour moi, tu vois. C'est ça, ouais. Cette fois-ci, c'est Sansan qui commence parce que c'est toujours moi qui commence, j'en ai marre. Donc Sansan, tu commences, je vais chercher des pochettes et on commence l'ouverture. Je vais te battre. On commence avec Marie Lanlaine. Porygon, on n'avait pas celle-là. Non, carrément pas, elle est trop bien. Moi, c'est à la mèche d'amour. Ça te porte chance, normalement. Spododo. On avait déjà. Oui. Cistigris, qu'on avait déjà. L'énergie métal, qu'on avait déjà. Oh, relais optimiste. Donc c'est un relais qui croit en lui. Faites-vous confiance. Mais ça correspond à quoi? C'est un tube, je comprends pas. Ah, c'est un bâton de pluie ou un didgeridoo? Les aciers, qu'on n'avait pas. Et c'est la numéro 2 en plus. C'est la numéro 2. Ouais, c'est important d'avoir le début comme ça. Donc ce serait Chenipan la première? Ouais, je pense, comme d'hab. C'est souvent Chenipan. Les altères, les fausses écartes. La reverse, Farfuret. Sympa, très sympa. Est-ce que t'as quelque chose? Ouais, ça commence bien. Oh, c'est bon ça. Est-ce que c'est la même? 84. Est-ce que c'est la même? L'épisode de la semaine dernière, c'était très drôle. On a eu 2 fois la même ultra. Si c'est la même, je pète un câble. Je crois que c'était la 82. Non, c'est bon. Génial. Grand Anmorph d'Alola GX. T'as vu, ils ont même pas pu marquer le nom en entier. Bah, avec la typo normale, tellement il est long. Trop classe. Bah, franchement, GG, tu nous tapes une GX des premiers. Ouais, moi je suis comme ça. Je suis content là, ça commence bien. Premier booster, une ultra. Oui, c'est bon ça. Bon, tu passes à quelle illustration? Du coup, c'était quoi que t'as fait là? J'ai fait Marshmallow. Non, pas Marshmallow, non. Marshado. Marshmallow. J'ai fait Marshmallow, après j'ai fait Feu de cheminée. Je passe à Tokopisco. Ah, tu fais une alternance? Oui, là je suis en entreprise. D'accord, ok. Et après tu repasses à l'école avec Marshado. Ok, c'est ça, tout à fait. Nounourson l'avait pas. Non. Elle est trop kawaii. Bah ouais, en fait c'est le côté un peu aquarelle qui est vraiment très sympa. C'est Piatop. Ah. Skelenox. Look at my dab. Ah. Chouette. Bombidou. Tout ça c'est des cartes qu'on connaît. Énergie. Oh. On connaît. Scobolide. Je sais plus du tout. En tout cas, il est pas ouf comme Pokémon. Ouais. Oh. Guzma, wesh. Il est beau, bah c'est Team Skull quoi. Ouais. C'est en mode wesh, tu vois. Oh. Ribombelle. Trabagar. Est-ce que t'as quelque chose? La 100 sur 147, peut-être Nulo. Quelque chose? Type dragon. Oh, Zygarde. Putain, t'as une Nulo, mais t'as trop de la chatte. Elle est belle, hein. Putain, elle est trop belle de ouf. Non, mais t'as trop de la chatte, c'est trop bien. Du coup, on va faire une consommation de pochettes dans cette vidéo impressionnante. Je vais avoir du mal à te battre. Enfin, exactement comme la semaine dernière. C'est-à-dire que tu fais à peu près le même tirage que moi. Ouais, pas mal d'olo là et tout là, c'est cool. Donc du coup là tu vas repasser à l'école donc avec Marchado. Marchado. Très bien. On commence avec Flotajou. Oh ah bah on l'avait pas. Ah bah nickel. Et bah c'est ça, c'est la 1, on avait dit Chenipan. Ouais. Oh, elle est trop belle. C'est parfait. Oh, elle est sympa. Trop mignon dans sa fleur. Ouais. Pour une fois qu'on voit Chenipan caché dans une feuille, parce que normal dans une fleur, c'est classe. Porygon qu'on a déjà eu. Caracle qu'on a déjà eu. Mystère qu'on a déjà eu. L'énergie fée. Le frison. L'empérois. Tout ça on connaît. Un sous-marin. Oh Yutan, on l'avait pas. Non, trop classe. Évolution de Foyajou du coup, trop classe. Porygon River. Trop cool. Sympa. Et attention, la 147 qui est Chelours. Très sympa. Ah, trop cool. Trop mignon. C'est une simple rare. Une Holo GX, vraiment, ça va. Moi, je vais finir avec une fantôme. Arrête. On commence avec Radopo qui est à l'aéroport. Flamajou, Tiboudet, Magikarp, Coucou Alès, c'est encore et toujours. Ratatadalola, on a pas, je ne sais combien. L'énergie combat. Moulana qui l'enlève. Vicky, on connaît. Code de sortie, non, code de sortie, je dis n'importe quoi. Code de sortie. C'est quoi le code déjà?
À quoi en reverse? Très joli le type feuille en reverse, hein, ouais, toujours. J'aime bien. Oh, non. Peut-être une Lolo, la 41-547. Oh, yes! Cool! Oh, avec machin derrière. Cradopo, je crois. Ou crois... Oui, Cradopo, oui. Je crois. Oh, mais merde, oh, elle est trop belle. T'as le graphisme est magnifique. T'as, on se tape des cartes de ouf là, c'est bon ça. Oh, j'adore. Elle est trop belle. Elle est vraiment belle. En vrai, elle est magnifique. Le Raichu, la couleur est magnifique. Franchement, GG parce qu'elle est très très belle cette carte. C'est comme le Léviathan de la dernière fois. Des belles Zolo quoi, qui font bien plaisir. Tu veux faire un récap de ta petite ouverture? Résumer tout ça. J'ai commencé avec une GX, normal. Eh oui, hein, la petite GX qui fait plaisir. Gros tas de morphes d'Alola. Ensuite, une petite holo, mais Zygarde. Hein, classe. Rigole pas. Et enfin, la Raichu. Ah, trop belle. Elles sont très très sympas. Donc, faut que je batte deux holos et une ultra, ce qui est très dur. Donc, il me faut deux ultras dans une secrète. Quoi. Exactement comme toi la semaine dernière. C'est ce que je te dis. T'as exactement la même ouverture que moi. Donc, on va switcher de côté, puis on se retrouve avec mon ouverture du coup. Tu vas faire quoi comme geste? On peut faire un dab d'ouverture. Ouais. Ok, c'est cool. Bon bah moi je vais peut-être faire pareil que toi. Soit je vais alterner ou pas. Mais oui je vais alterner. Je vais commencer comme toi à l'école et à l'entreprise. On va faire une alternance comme il faut. Et on commence avec Marshadow du coup. Quoi, on va peut-être pas commencer par Marshadow. Non, on va commencer par Tokopisco. Parce que Marshadow pour moi c'est le plus chanceux. C'est vraiment, j'ai eu de la chance avec de ouf. On met la rare à la fin pour garder un maximum de suspense. Et on commence avec un petit Pikachu. Bah oui, t'as vu le Raichu juste avant, donc fallait bien que j'ai un Pikachu. Mais on l'a déjà. Sistigri, on l'a déjà. Feuillajou, on l'a déjà. Marill, on l'a déjà. Salamèche, on l'a déjà. L'énergie acier, on l'a déjà. Apocine, on l'a déjà. Hypocéan, on l'a déjà. Motus Madex, on l'avait pas. Mode Pokéscope. Elle est très cool, très jolie. Bah, toute simple, mais une dresseuse qui fait plaisir. Ensuite, en reverse, on a Yahoo, oh, très sympa. Bien. Et est-ce que j'ai quelque chose? Mais je crois que oui. Ah oui, j'ai une GX. Eh, on a trop de la chatte, c'est que plaisir, c'est bon. C'est quoi ce truc? C'est la même encore? Non. C'est la combien? 99-147, c'est pas la même, ça a l'air d'être un type combat. On va faire notre pronostic. On a Band Sonic GX. On remonte, on a Volume Sonic. Un truc Sonic? Bah c'est Sonic! Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Rouge, violet. Ouah, Briverne! Trop cool! Oh. Trop sympa avec ses haut-parleurs là. Ah, Briverne, trop classe. Et on a de la chance, un truc de ouf là. On commence tous les deux par une GX. Très content, donc Briverne GX. Donc il va falloir que je batte deux Zolo. Ce qui va pas être évident, mais on sait jamais. On continue avec Marshadow du coup, hein, en alternance comme on a dit. Et on commence avec le petit Miaouss, comme d'habitude, il aurait pas de tomber le Miaouss, c'est un truc de ouf. Crabagasse, Salamèche, Parfuré, Palmeur d'Alola, l'énergie. Combat, Flamanoir, on l'avait pas, oui ou non? Bon, elle est pas ouf la carte, mais on l'avait peut-être, je sais pas si on l'avait, je sais pas. Nefi, qu'on avait déjà. Oh, le spray tourmenteur, ok. On l'avait pas, lui. C'est vrai que les dresseurs, souvent dans les collections, ils nous les manquent assez souvent. Enchouette en reverse. Et attention, la 82-347. Oh, Ratata de Lola. Il est trop fat. Il est trop marrant avec ses gros joues. Ah la vache. Il est en train de manger des ratatas là, c'est pas possible. C'est cool, mais c'est une simple rare, donc je suis un peu dans la merde pour battre 100-100. On continue avec Tokopisco. Et on commence avec Skelenox, le dab. Misterbe. Tiboudet. Karagle. Oh, Togedemaru. On l'avait déjà? Ah merde, putain, je la trouve trop belle. L'Energio. Le Rhino Féroce, qui est féroce. L'Empérois. Prison. On a beaucoup les mêmes, je trouve, sur cette ouverture. Oh, Motis Madex en reverse, ça fait plaisir. Et attention à ce qu'on a. Oh! Mais non! La 133-147, par contre, je pense que c'était une full art parce que là, je crois qu'il y a du relief. Hein. Attention, c'est une type O. Wow, oh, Tokopisco GX! Oh, j'ai une full art! Ah, elle est trop belle! Oh, elle est trop belle en fait. La première full art qu'on a de cette série. On voit tous les petits trucs derrière là. Les full art, c'est vraiment trop beau. Belle. Elle est vraiment magnifique. En plus, il y a des full art qui sont moches dans cette série. Tokopisco, en vrai, le bleu est vraiment très beau. C'est la 133-147. D'accord, donc les full art sont pas à la toute fin. Ou alors il y a énormément de full art, mais je crois pas. On a quand même tapé beaucoup de trucs vachement cool là. Donc là, clairement, j'ai gagné déjà. Parce que j'ai une full art. Donc ça bat au moins deux ultras, voire plus. C'est chiant, tu gagnes tout le temps. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. On commence avec un Hippotrempe. Venipat, Bakabou, Spodo, Krabagar, Énergie Plante, Porygon 2. Ça, je suis pas sûr qu'on l'avait. Vulné Assurance, Fuyutan qu'on avait déjà. En reverse, le Lucario. Ah, très sympa. C'est une rare, donc je pense, vu la gueule, que c'est une holo. Et ensuite, la 79-347, qui est Quatermac. Oh, sympa. C'est pas une holo, malheureusement, mais l'illustration est très sympa. On va dire que j'ai gagné, je vous fais un tout petit récap de ce que j'ai eu, quand même. J'ai quand même eu la Bruyverne GX, qui est vraiment magnifique. C'est une très belle GX, je trouve. Et surtout, la Full Art Tokopisco GX, qui est, elle, magnifique. Rien à dire. C'est vraiment une très très belle carte, donc très content pour cette série. En tout cas, bah, c'était vraiment cool. Moi, je suis très content. Je suis sur le cul, là. On a vraiment de la chance en ce moment, ça fait très plaisir. Vraiment très top. Gros bisous à vous tous, merci de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle ouverture, on sait pas de quoi encore. À demain hein, pour le vide-grenier. Et puis à ce soir surtout, hein, parce qu'il y a un live avec Alès de 17 à 19. Voilà. Bah, à tout à l'heure quoi. Gros bisous tout le monde, ciao.